On peut y aller. Ça va? Ça fait drôle hein, de se retrouver après un an d'interruption. Ok. Non. Moi, je trouve ça étrange quand même. Il y a plein de gens qui n'osent pas venir, qui ont téléphoné, qui ont dit ah ben non. Il y en a d'autres qui ne savaient pas s'ils ont le droit de venir ou pas, d'autres qui ont hésité, d'autres qui nous regardent sur Internet. Donc, bonjour. Vous pouvez leur dire un coucou. Enfin, ils ne vous voient pas, mais ils me voient moi. Donc, on leur fait un petit coucou à tous ceux qui regarderont tout à l'heure la veillée de Noël. Moi, je suis heureux d'être là. J'espère que vous aussi. Annette, toi aussi. Alors, on est deux. OK? Les autres, pas grave. Mais nous, on est contents. Je vous annonce de la part du Seigneur une bonne nouvelle. C'est le mot d'ordre de ce 24 décembre. C'est qu'aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. La bonne nouvelle, elle est là. Pas besoin d'en attendre une autre. Il y a une bonne nouvelle qui est là. C'est qu'aujourd'hui, il nous est né un sauveur. Et le sauveur, c'est dans toutes les dimensions de ce que ça veut dire. C'est pas juste... le sauveur qui vient nous donner la vie éternelle le jour où on sera mort, mais c'est le sauveur qui vient dans toutes les dimensions de notre être, esprit, âme et corps pour nous faire du bien. Un des mots d'ordre qui nous accompagne souvent ces derniers temps, c'est Jésus va de lieu en lieu, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et moi je prie que ce soir il nous fasse du bien. Ok. Et le bien c'est pas juste une atmosphère dans laquelle on serait, où on peut se réjouir, mais... Et nous faire du bien, c'est vraiment qu'il veut poser sa main sur nous. Il veut nous bénir. Et nous en avons besoin. Et le monde en a besoin. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, il faut que je vous déride un petit peu. Ok, ouais. D'accord. On va se réjouir, on va chanter en l'honneur de celui qui est venu au milieu de nous. On va commencer par un classique de Noël. On va chanter « Ô doux Fröhliche ». Et puis merci à toute l'équipe qui est là pour animer notre chant ce soir. J'espère que vous allez chanter avec entrain. Pas entrain, avec entrain. D'accord ?
Chantons en l'honneur de l'Éternel, alléluia. On va encore le faire ce soir, on va encore chanter en l'honneur de celui qui a créé les cieux et la terre et qui est venu au milieu de nous, chanter en l'honneur de l'Éternel, toujours et encore ce cantique, le cantique des rachetés, comme on le fera un jour dans la présence de Dieu, mais aussi ce soir au milieu de nous, il est là, présent. Psaume 96 nous invite à chanter toujours un cantique nouveau. Ça veut dire qu'il faut qu'on réinvente encore et toujours des chants, des cantiques en l'honneur de celui qui est là. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. Racontez sa gloire parmi les nations et ses merveilles parmi tous les peuples. Et il en fait. Parfois l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais le Seigneur fait encore des merveilles et on veut raconter sa gloire parmi toutes les nations. L'Éternel est grand, dit le psalmiste, il est digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, il est plus fort que tous les dieux, les faux dieux évidemment, parce que les dieux des peuples ne sont que de faux dieux, alors que l'Éternel, lui, il a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. La splendeur, la magnificence sont devant lui, la force et la gloire remplissent sa maison. Alors que le ciel se réjouisse. Que le ciel se réjouisse. Que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Parce qu'il vient. Parce qu'il vient. Amen. Hier soir à Maculaire, j'ai posé la question qui s'attend à ce que le Seigneur se montre, qu'il vienne au milieu de ceux qui étaient là. Il y en a quelques-uns qui ont levé la main, donc je vous repose la question aussi à vous ce soir. Qui c'est qui s'attend à ce que le Seigneur se manifeste ce soir ? Dans vos maisons, pas seulement ici, dans cette maison, mais aussi dans vos maisons qui mettent en vous sa paix, qui mettent en vous sa joie, qui viennent vous consoler, qui viennent vous fortifier, vous encourager. Amen. On va l'accueillir, on va chanter en l'honneur de son nom. Laissons entrer le roi de gloire. C'est comme une prière qui s'élève devant lui. Laissons-le venir. Tout à l'heure, on va courir jusqu'à l'étable d'une certaine manière. Mais maintenant, on veut l'accueillir.
Mes amis, les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre. Amen. Il fait nuit, ok. Ça ne veut pas dire parce qu'il fait nuit que les ténèbres vont régner pour toujours. Demain matin, il y aura un jour nouveau. Et ce sera encore un jour de fête. Et ce sera encore un jour où le Seigneur va se manifester. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Trouvez pas qu'il y a des angoisses sur la terre? Mais si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire le pays. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'a chanté tout à l'heure, on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Le maître de l'univers. Amen. On va continuer à chanter ce merveilleux nom de Jésus et proclamer aussi, tout de suite dans la foulée, qu'il est majestueux. Jésus, merveilleux nom.
Est-ce que vous croyez qu'il y a un bon moment pour Dieu faire irruption dans la vie de quelqu'un? Moi, je crois qu'il y a des temps qui sont favorables et d'autres qui le sont moins, en fonction de notre disposition de cœur. Jean nous écrit dans son évangile que la lumière du monde, qui est Jésus, est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il y en a qui ne le reçoivent pas. Ce n'est pas grave pour nous. C'est plus grave pour eux. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, dit Jean, il a donné la capacité, le pouvoir, la puissance. Il y a plein de traductions possibles. De devenir enfant de Dieu, et nous le sommes. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas seulement nés de parents humains, écrit Jean, mais nous sommes nés de Dieu. Quelque part, il faut que nous comprenions que dans le cœur de Dieu, il y a chacun d'entre nous. Amen. On est tous les bienvenus. Et c'est pas, quand je dis cela, c'est pas très, ça ne veut pas être romantique, hein, c'est pas quelque chose, on est dans le cœur de Dieu, c'est... On pourrait le comprendre comme ça, mais c'est juste une réalité, c'est qu'il y a de la place pour chacun d'entre nous dans son cœur. Même si on est assis dans les ténèbres, le Seigneur peut nous rejoindre et faire briller sa lumière. Amen. On va chanter sur tous les peuples dans la nuit et l'ombre de la mort. Et après, on va écouter l'évangile de Noël. Thank you.
un édit de l'empereur Auguste qui a ordonné le recensement de tout l'Empire. Et ce premier recensement eut lieu alors que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Et Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange, le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtel. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, comme je les comprends. Imaginez, hein. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera la source d'une grande joie pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge, couché dans une mangeoire. Et tout d'un coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux élevés et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce qu'ils racontaient. Marie gardait le souvenir de ces choses et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui avait été annoncé. Amen. Chantons au peuple fidèle. Et on va courir jusqu'à l'étable maintenant. Je vous ai promis tout à l'heure qu'on allait le faire. Donc,
je regarde l'heure. Le chapon est en train de cuire. Non, j'exagère, hein, c'est pas vrai. On n'en mange pas ce soir, je vous rassure. Mais quand même, j'espère que vous n'êtes pas trop pressés. Ça va? Non? Vous avez le temps? Qui c'est qui n'a pas le temps? Non, mais il faut le dire honnêtement. Est-ce que vous êtes pressés? Si vous êtes pressés, ben c'est tant pis pour vous. On n'est pas pressés. On veut juste se prendre le temps d'écouter la parole et de nous laisser imprégner, parce qu'on n'a pas pu le faire l'année dernière, nous laisser imprégner par cette histoire de Noël. Cette saison de Noël qui est tellement particulière dans l'année et qui réjouit tellement de cœur, et en même temps qui est une période difficile pour certains. Vous avez tous entendu, je suppose, que notre ami Jean-Georges Hochstein est décédé hier. Pour la famille, c'est difficile de fêter Noël. Et pour tant d'autres aussi. Ça peut être compliqué de fêter Noël quand peut-être ceux qu'on a aimés ne sont plus là. Et pourtant, toujours et encore, un enfant nous est né. Pourtant, toujours et encore, tous les ans, un fils nous est donné, sur lui repose la grandeur de Dieu. Repose tout ce qu'on appelle, nous, en théologie, la divinité de Dieu. Tout de Dieu est en lui. Et ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, il se manifeste dans ce petit enfant qui vient au monde, dans la nuit de Noël, pour partager juste notre vie. Et pas seulement pour partager notre vie, mais aussi pour nous donner une direction, un sens. J'aime bien cette expression, nous donner un sens. Pas juste donner un sens à notre vie, mais une vraie direction dans laquelle nous pouvons aller pour le recevoir et recevoir ce qu'il veut nous donner. Je me pose souvent la question, quel est le cadeau le plus extravagant que vous ayez jamais fait ? Je ne parle pas du plus cher, hein. Parce que tout est question de mesure, hein, on est d'accord. Mais le cadeau le plus extravagant que vous ayez jamais fait à quelqu'un. Ouais. Extravagant, ça veut dire très spécial, original auquel on ne s'attend pas. Ok ? Il ira loin ce petit, hein. Moi, je me dis que ce Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui tient tout l'univers dans sa main, qu'il ait accepté de se faire tout petit, 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 ça, c'est extravagant. Ça, c'est jamais vu, ni avant, et ça ne se verra plus jamais. Je vous rassure que nous chantons le premier Noël, mais il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas un deuxième qui va venir. Il n'y a qu'un premier Noël. Un seul et unique. Ce Dieu qui est si grand, aimé ou détesté, ça dépend. Ce Dieu si grand, il vient sur terre. Le Dieu qui tient tout l'univers dans sa main, il vient sur terre. Bah, je ne sais pas si on arrive à conscientiser la chose, à comprendre ce que ça veut dire. Ce Dieu-là qui tient les confins du monde connu et inconnu dans sa main, accepte de naître dans le ventre d'une femme pour devenir semblable à nous et pour nous rejoindre là où nous en sommes, nous, aujourd'hui, ce soir. Pas là où on aimerait être, et on a le droit de rêver, mais là où nous en sommes ce soir, dans notre propre existence, là où j'en suis, moi, avec moi-même et avec ceux qui m'entourent, avec ceux avec qui je vais festoyer ce soir, peut-être bien manger, en tout cas j'espère pour vous, ou alors si je me retrouve tout seul. Ce Dieu-là, il sera quand même là. Je ne serai jamais seul. Si j'accepte d'ouvrir la porte de ma vie pour l'accueillir en moi,
ou pour l'accueillir dans ma maison. Moi, je suis content ce soir. Moi, je suis content parce qu'il y a mon papa, il y a ma maman qui sont là ce soir. Il y a mes enfants qui sont là ce soir. Moi, je suis content. Il y a mon petit-fils qui est là ce soir. Enfin, il n'est pas là, mais il est là. Moi, je suis content. Mais je suis content parce qu'ensemble, nous accueillons aussi dans notre maison celui qui est le Seigneur de notre vie. Et ça change tout. Ça change l'atmosphère, non pas seulement de notre maison, mais ça peut changer l'atmosphère aussi de votre maison. Ça peut changer l'atmosphère dans votre famille parce qu'il vient apporter son cadeau à lui. Et en fait, son cadeau à lui, ben, il dépend de notre besoin. Moi, je ne vais pas vous dire ce que j'ai acheté à ma femme. Et vous ne voulez pas le savoir. Et je ne vous le dirai pas. Sinon, ce n'est plus une surprise. Mais le cadeau que le Seigneur veut nous faire, c'est un cadeau qui est un cadeau personnel. C'est quoi ton besoin aujourd'hui? De la même façon que je ne vous dis pas ce que je lui ai acheté, vous n'êtes pas obligé de me dire ou de nous dire quel est votre besoin aujourd'hui. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur veut le combler. Il veut vous le donner. Ce n'est pas le Père Noël. Il n'est pas là en train de distribuer pour aux gentils enfants les joujoux par milliers. Mais il est là comme un père. Il est là comme un frère. Il est là comme un ami qui nous tend la main. C'est à nous de l'accueillir. C'est à nous de lui dire. C'est à nous de lui confier les choses parfois qu'on a du mal à partager. Il est là au milieu de nous. À nous de le recevoir. Amen. Je prie, Esprit Saint, que tu viennes, pas seulement dans cette église, mais que tu viennes dans nos maisons ce soir. Et comme je l'ai partagé la semaine dernière, que tu viennes nous couvrir de ton ombre. Que ta présence qui se manifeste, que ta présence se manifeste, et que tu viennes apporter de la part du Père ce que Christ a accompli pour nous, que tu viennes apporter ce dont nous avons besoin. Je te le demande pour chacun d'entre nous qui est là ce soir, mais je te le demande aussi pour tous ceux qui nous regarderont par écran interposé. Que tu manifestes, Seigneur, ta présence. Que tu manifestes cette main que tu tends à chacun d'entre nous. Que nous acceptions, c'est tellement simple le message de Noël, tu t'es fait petit pour que nous soyons appelés tes enfants un jour. Tu nous tends la main, c'est à nous de nous saisir, de nous emparer de la main que tu nous tends. Et si nous acceptons de le faire, il y a quelque chose qui va changer en nous. Et il y a quelque chose qui va changer autour de nous. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Petit enfant qui est devenu grand. Petit enfant qui est venu pour nous montrer le chemin et pour combler nos vies. Amen. Nous allons, comme on a l'habitude de le faire, enfin, quand je dis l'habitude, on s'entend. Ça fait 2 ans, je l'ai dit tout à l'heure. On va recueillir votre offrande maintenant et puis nous allons chanter « Toi qui es lumière ». Thank you.
Nous allons prier ensemble. Je vais juste vous inviter à ouvrir vos mains. Si vous voulez le faire, hein, ce n'est pas une obligation, mais ouvrir vos mains pour accueillir. Pour accueillir celui qui veut vous rencontrer. Et en même temps, quand on ouvre nos mains, c'est un signe d'abandon qu'on fait. On accepte de s'abandonner entre les mains de celui qui est là au milieu de nous. Il l'a promis lui-même. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là où deux ou trois se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, cela leur sera accordé. Alors soyons en accord avec nous-mêmes, soyons en accord les uns avec les autres. Pour te demander, Seigneur, viens au milieu de nous. Viens dans notre vie. Viens dans nos misères, dans nos lâchetés, comme nous venons de le chanter. Viens dans nos malheurs et dans nos joies. Viens nous combler de ta présence. Merci parce que tu es celui qui console ceux qui sont fatigués et chargés. Tu es celui qui est capable, parce que tu as annoncé le royaume de Dieu, de transformer, de changer les circonstances. Tu es capable, parce que tu veux le faire, c'est ton désir, c'est ta volonté, de toucher nos vies au plus profond, pour que nous soyons renouvelés, que nous ne soyons plus les mêmes demain que ceux que nous étions hier et que nous sommes aujourd'hui. Prions, Père, c'est à toi que nous nous adressons. Nous te prions, Père, que ton nom soit sur chacun d'entre nous et que tu nous gardes chacun dans ta main, et ce soir, et cette nuit, et demain, et que tu nous emmènes là où tu veux nous emmener. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci parce que ça décrit vraiment qui tu es, toi. Tu es l'amour. Merci de nous aimer tellement. Tu nous as donné Jésus. Et comme c'est à toi que nous nous adressons, nous voulons te prier comme Jésus nous a appris à le faire. Nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Je puisse tout dire que demain matin, nous aurons un seul culte à Macquillère à 10h, culte de Noël avec Sainte-Seine. On se réjouit de pouvoir célébrer aussi le cadeau que le Seigneur nous fait au travers de son don, au travers du don de sa vie. Donc demain matin, 10h. Et puis après-demain, le 26 décembre, le jour de la Sainte-Étienne, nous aurons culte ici à Dimringen à 10h également. Donc vous êtes cordialement invités à venir, partagera aussi la parole de Dieu ensemble. Et n'oubliez pas que lundi soir, il y a la deuxième partie de The Chosen sur la vie de Jésus et des disciples. Voilà, donc à partir de 21h sur C8. Nous allons chanter « Peut-il exister un Noël sans Stille Nacht ?» Ben, je vais vous dire, ça existait avant que Stille Nacht soit composé. Mais depuis, c'est compliqué de ne pas chanter. Donc je vous invite à le chanter. «
conviction que le Seigneur a demandé à Aaron qu'il la prononce sur les enfants d'Israël il y a très très longtemps. C'est une bénédiction aussi pour ce soir de Noël. Que cette bénédiction puisse reposer sur chacun d'entre nous. Voilà comment vous bénirez mes enfants, dit le Seigneur. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur fasse briller sa lumière sur nous et nous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et t'accorde sa paix. Que toi, Seigneur, tu te tournes vers nous maintenant et que tu nous donnes ta paix. Dans le nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen. Je vous ai souhaité un joyeux Noël en commençant, je vous souhaite un joyeux Noël maintenant en terminant. Que le Seigneur vraiment vous bénisse ce soir. Fêtez bien, réjouissez-vous, soyez en paix les uns avec les autres, et puis à demain matin.